énormément d'entreprises en Bretagne qui ont besoin de recruter, qui ont du mal à trouver des gens formés sur nos métiers industriels. Voilà, c'est la raison de notre présence aujourd'hui. Alors, on présente surtout l'activité de l'entreprise pour les collégiens, les lycéens. Leur expliquer aussi qu'il n'y a pas que les métiers de gestion, il y a aussi les métiers techniques. Et donc, pour promouvoir les secteurs, les bacs STI2D, les BTS en maintenance, etc. Celle qui était intéressée par la coiffure, elle nous demandait comment ça se passait. Et quelle était la vraie différence entre l'apprentissage et l'école. Nous, on a fait de l'apprentissage, oui. Donc du coup, on peut témoigner plus sur l'apprentissage. Donc on a beaucoup plus d'expérience dans la vie en entreprise, en fait. Il y a beaucoup d'élèves qu'on a renseignés pour leur formation. Aide-soignante, infirmière, même une médecin. On a expliqué tous nos stages. Différents stages en structure, en EHPAD, en crèche. Voilà. C'est vrai que le métier de la signalétique reste très méconnu du public et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'entreprises en Bretagne. On recherche des jeunes aussi dans ce milieu-là, donc c'est un milieu qui est assez fun où on peut s'amuser en travaillant. C'est un panneau motorisé, c'est prendre plusieurs photos dans une durée longue et faire compresser toutes ces photos pour faire une vidéo courte. Alors nous en fait notre projet, un dérailleur automatique pour vélo, donc en fait une boîte de vitesse automatique qui va changer les vitesses automatiquement sur notre vélo. Un skate électrique qui sera dirigé depuis son smartphone grâce à une application. C'était sympa, c'était toujours intéressant de voir les inventions des gens. Découvrir les travaux des élèves et nous orienter peut-être pour la seconde. Si, c'est une bonne occasion de voir ce qu'il y a comme métier et tout. J'aimerais bien être médecin. Et moi aussi. Décoratrice, je travaille dans le médical. Plus tard précisément, non, mais moi je suis en seconde générale et puis je verrai au fur et à mesure du temps pour l'espace.